circule en ce moment une fausse lettre de la marquise de Sévigné à sa fille, Françoise de Sévigné, comtesse de Grignan, où elle relate les difficultés qu'elle a de pouvoir descendre là-bas chez elle, dans la Drôme, à cause d'une épidémie de peste. Et cette lettre-là, elle a été vérifiée par, scrupuleusement pour dire que c'est un pastiche. Voilà, donc je ne vous lirai pas cette lettre qui s'avère être un faux, tout à fait vraisemblable, parce que tout à fait dans la manière de la marquise, où elle dit combien elle apprécie un des poèmes de La Fontaine, Les animaux malades de la peste, qu'elle vient de découvrir, de lire. Et voilà. Mais enfin, c'est un pastiche tout à fait réussi. Enfin, donc, je ne vais pas vous envoyer sur les réseaux sociaux. Ça a été vérifié par des gens très sérieux qui à la fois relèvent plein d'inexactitudes et qui rendent tout à fait caduque cette fausse information. Néanmoins, j'ai une grande admiration personnelle pour le fabuliste Jean de La Fontaine, que la marquise avait croisé, connu, notamment à Vaux-le-Vicomte, chez Nicolas Fouquet. Et c'était au début, quand La Fontaine commençait à se confier dans sa poésie que l'on connaît, c'était au début, vers 1655, avant 60, avant le limogeage en fait de Nicolas Fouquet. Voilà. Et donc, cette information reliant la marquise dans cette lettre pastiche et relatant cette relation et son admiration pour La Fontaine, eh bien, je la partage. Et donc, j'ai souhaité vous dire cette fable des animaux malade de la peste. Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la guerre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie, ni loup, ni renard, les pieds, la douce et l'innocente proie, les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour partant, plus de joie. Le lion tint conseil et dit « Chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé, quelquefois, de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse, ainsi que moi, car il faut souhaiter, selon
toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, mangez mouton, canaille, sotte espèce. Est-ce un péché? Non, non. Vous leur fîtes, seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur. Et quant au berger, ben, on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit « J'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et aussi je pense quelques diables me poussant, je t'en dis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net à ces mots. On cria haro sur le baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée incapendable. Manger l'herbe d'autrui. Mais quel crime abominable! Rien que l'amende était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Mais rassurez-vous, nous n'en sommes pas encore tout à fait là. Salut !